bienvenue dans le parc de mon enfance, bienvenue ici à Bagatelle. Salut à tous et bienvenue ici à Bagatelle. C'était un parc qui n'était pas prévu au programme de cette saison. Ça s'est un petit peu organisé au dernier moment, mais ça fait quand même très plaisir de revenir dans ce parc. Je ne suis pas retourné depuis 4 ans et c'est quand même le parc de mon enfance, celui qui m'a un petit peu donné des cette passion. Donc ça fait plaisir de revenir et de découvrir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Et oui, puisqu'il y a quand même quelques nouveautés au programme, notamment cette saison, une rénovation complète du River Splash comme à l'époque. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. On a aussi un nouveau spectacle, le retour du ciné dynamique. Ça fait quelques temps que j'ai pas refait le Triops parce que ma dernière visite il était en panne. Donc ça va être aussi l'occasion de retester ça. Bref, il y a l'air d'avoir un petit peu de monde quand même aujourd'hui. On va voir comment on va pouvoir profiter. En tout cas, c'est parti pour cette journée ici à Bagatelle. Bon, on commence en effet avec le Gaz Express qui a revu sa file d'attente. Et en effet, il y a du monde puisque la file, elle commence dès le début. On va voir un petit peu comment ça a été réaménagé. En tout cas, le coaster est toujours aussi cool à faire. Ça a été l'un de mes premiers coasters. Donc j'y apporte un petit attachement particulier. À l'aérogare, un peu déçu dans l'ensemble. Il était bon ton burger? C'était bon. C'était bon toi? Ça vaut peut-être pas 17 balles. Ouais, un peu cher quoi. Ouais. Moi, le poulet, je l'ai pas trouvé bon. J'ai pris des tenders de poulet, je l'ai pas trouvé très bon. Pareil, ça vaut pas son prix non plus du coup. Donc un peu cher, ça reste bon, sympa. En termes de portions, ils sont généreux ouais, par contre. Frites, ils sont vraiment très très généreux. Mais niveau qualité de produit, ça vaut peut-être pas le prix qui est affiché. Là maintenant on se dirige vers le monorail, mais je voulais revenir aussi sur le Gaz Express puisque le coaster est très très cool. On était au dernier rang, enfin pas au dernier rang mais on était au fond du train, donc on a un très bon airtime au niveau de la première descente. Et j'ai trouvé très sympa le nouvel aménagement de la file d'attente. La thématisation est toujours très propre, très soignée, bien entretenue. Et aussi au niveau des opérations, on a beaucoup attendu, mais malgré tout les opérations se sont améliorées par rapport à la fois dernière, puisque là on a des vrais portiques, etc. Donc bien mieux en tout cas, bien mieux géré, bien mieux opéré que les fois précédentes, donc ça c'est un bon point.
Donc autre petite nouveauté ici de Bagatelle aussi par rapport à ma visite précédente, on a une petite zone qui a été aménagée et thématisée en thème bayou, plutôt propre. Alors c'est une zone où il n'y a aucune attraction véritable. Ici avant on avait des bateaux tamponneurs, par là-bas on a la station du train, donc c'est la seule attraction véritablement de la zone. Et on a aussi le raft, etc. un peu plus loin, qui est blindé d'ailleurs, soit dit en passant. De monde, donc on verra pour le faire un petit peu plus tard. Et il me semble qu'il y a un projet de restaurant à venir. On a, bah voilà, on a d'ailleurs un panneau ici, regardez. Alors, il me semble que ce projet date quand même déjà il y a quelques années. Bon, il n'y a pas d'évolution a priori pour le moment, à voir quand est-ce que ça viendra exactement, mais ça aura le mérite de dynamiser un peu plus la zone. Et bonjour le pollen. Je pense que là, même ceux qui sont allergiques au pollen, en vidéo, ils sont en train d'éternuer, tellement il y en a. Bref, on va aller voir... Ça a l'air d'être blindé aussi, je sais pas. Est-ce qu'on se fait ça? Ou est-ce qu'on va faire le bateau pirate? Réponse en vidéo. On est parti. Olé. Oh. La qualité. T'es prête? Allez, c'est parti! C'est quoi?
Non, souffle, c'est bon, la première partie c'est fini. Ah, oh, il y a un autre tour, mais... Oui, la première partie c'est bon. Oh. Bon, on a fait le triops. Triops, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un tour, donc mon avis remonte assez loin. Il est vrai qu'il tremble pas mal. Après, il est pas si désagréable, mais c'est pas le coaster évidemment qu'on enchaîne. Ça, c'est clair. Là, ici, nous avons le Famous Jack, qui est donc la Wild Mouse reversion, tout ce qui est le plus classique et qui est toujours autant blindé. Donc on va passer notre tour pour le moment, on verra s'il y a un peu moins de monde en fin de journée. Ça par contre c'est stylé. Regardez-moi ça. Ça c'est extrêmement stylé, c'est les anciens... Alors les anciens, les nouveaux, je sais pas. Mais en gros c'est les celles du Ciné Dynamique. Ciné Dynamique qui a rouvert d'ailleurs ces années, on ira sûrement essayer de se faire un petit tour tout à l'heure. Mais là ici on est dans cette petite zone un petit peu enfant et on voulait venir notamment pour découvrir ici la toute nouvelle attraction qui a ouvert il y a peut-être 2 ans je crois, qui s'appelle les Woodies et qui est un sidecar Technical Park avec des nacelles un petit peu spécifiques. Et en tout cas la thématisation a l'air très très soignée, regardez ça. Sur une petite affiche. Je vais me faire une petite affiche. Attention, ça fait mal. Anne nous indique qu'il y a une séance toutes les 5 minutes. On est dans la file d'attente du cinéma dynamique. J'avoue que bon, c'est une affiche avec des punaises. C'est pas très très pro. Et, elles sont même pas de la même couleur. Elles sont même pas de la même couleur, tout à fait. Et en plus, le cinéma est un peu opéré, pas terrible quoi. Ouais. Parce qu'on attend depuis assez longtemps déjà. Et vu le peu de personnes, on va dire, qui passent par passage. J'ai la forte impression, je confirmerai ça et j'espère me tromper, mais j'ai quand même la forte impression qu'il y a un seul simulateur sur les deux qui fonctionne. Sur une journée qui est assez chargée, il faut le dire, c'est pas moyen, ouf, c'est très moyen. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ce CSD? Parce que je t'ai suivi. Je voulais vraiment voir, j'avais, en fait, j'espérais un petit peu une bonne surprise comme ça a fermé plusieurs années et qu'ils l'ont rouvert là vraiment cette saison. Mais ça a été rouvert vraiment à la va-vite quoi. Ils ont repeint tous les murs du pré-show inexistant, enfin qui était déjà existant depuis bien longtemps déjà, mais en noir, enfin ça a aucune âme. Le seul avantage on va dire c'est que les mouvements du simulateur sont relativement doux et qui suivent assez bien les mouvements du film. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais franchement, bah, tous les gens autour sont ressortis en étant un peu dépités d'avoir attendu aussi longtemps pour ça, quoi. Donc, bah, très mauvais point. C'est ça, parce qu'on a attendu longtemps. On a attendu longtemps. Il n'y a qu'une nacelle sur les deux qui fonctionne. Il y a bien une seule nacelle sur les deux, donc ça confirme ce qu'on a dit juste avant. Et les avis des clients, en tout cas, sont pas bons. Donc, quand on entend les gens autour de soi dire que c'était nul, même les enfants, c'est que c'est vraiment raté, quoi.
trouve que cette attraction est très cool. Oui, c'est marrant, mais... Il y a mieux, c'est sûr. Mais ça dure pas suffisamment longtemps pour te rendre malade. Ça reste agréable. Après, ça tourne. Ça tourne. Ouais. Donc ceux qui aiment pas les sensations qui tournent, je peux comprendre qu'ils acceptent pas trop ce genre de truc et qu'ils doivent très très mal sortir. Mais ouais, franchement, moi j'aime beaucoup. Bon, direction maintenant le raft. Est-ce que ce sera notre dernière attraction de la journée? C'est probable parce qu'on voit que la file est vraiment ultra blindée. Bon, en tout cas, c'est la meilleure du parc encore à l'heure actuelle. Donc, évidemment qu'on va aller en faire un tour. C'est clairement impensable de passer à côté. On peut passer à côté du Famous Jack, on peut passer à côté du River Splash, mais on peut pas passer à côté du raft. Voilà. Et la chute dans le tourbillon, ça m'a toujours impressionné. Quand j'étais petit, allez, je me prends des giclées, mais quand j'étais petit, j'avais toujours peur en fait de tomber au milieu dans le truc, tu vois. D'accord. C'est hyper impressionnant visuellement. Bah non, parce que je sais comment ça marche, mais ouais, c'est super joli. Et voilà, c'est la fin de cette journée ici à Bagatelle. Journée qui fut très bonne, mais qui fut aussi très chargée en termes de fréquentation. Je m'attendais pas à autant de monde. Après voilà, on a quand même pu faire à peu près ce qu'on voulait. La seule attraction moi que j'aurais bien aimé aussi redécouvrir, c'est le River Splash que j'ai pas fait depuis assez longtemps et qui en plus a été un petit peu refait cette année. On n'a pas fait cette attraction, mais sinon on a quand même fait la majorité des attractions principales du parc, le Triops, le Gaz Express, le Raft. On a aussi eu la chance, ça s'est joué à quelques minutes près, de faire le Famous Jack. J'allais dire oui, la chance, en fait pas forcément parce que le coaster est vraiment pas ouf. Qu'est-ce que tu en as pensé toi un petit peu de la journée? Je me suis tout sympathique, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. C'est vrai, c'est une bonne Ça remonte à quand ta dernière visite? 3-4 ans, un peu comme moi quoi en fait. Moi c'était 2019. Le parc a un petit peu changé quand même, en tout cas il se porte bien, c'est bien entretenu, il y a de belles couleurs. C'est mieux qu'à une certaine époque. Hein. Voilà, Bagatelle c'est vraiment le parc que j'ai fait tous les ans quand j'étais plus jeune et j'ai connu sa période un petit peu difficile dans les années 2000 où l'état du parc était clairement loin d'être celui-ci. Après, dans les points à améliorer, je pense que les opérations en font encore partie. J'en avais parlé au tout début de vidéo sur le Gaz Express, là pour le coup rien à dire, c'était très très bien. Pour le Triops, j'ai connu les opérations bien plus pires que ça, donc au niveau des opérations de Triops, ça va aussi. Par contre, le raft, on avait quand même un peu plus d'une demi-heure d'attente et les bouées partaient quand même assez souvent à moitié vides.
c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Certains diront que les bouées sont parties à moitié remplies et sont plutôt optimistes. Moi, je pense quand même qu'il y avait moyen d'optimiser un peu plus les opérations sur cette attraction, surtout qu'il y avait deux opérateurs. Bref, c'était les points un petit peu améliorés, mais sinon ça fait vraiment plaisir en tout cas de revenir dans ce parc, de voir qu'il se porte bien, et maintenant on attend des prochains investissements un petit peu plus lourds. C'est vrai que depuis le Silver Wings, les investissements sont un petit peu plus sages. J'attends une grosse attraction familiale dans les années à venir dans ce parc. Je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, un vrai must have, mais pour les familles ultra fun et qu'on a envie de refaire sans aucun problème. Bref, la conclusion est un peu longue. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à très bientôt. Salut.